Bonjour les amis, c'est depuis la bibliothèque des Riche-Clair que je vais vous présenter la deuxième conférence de cette année. Il y a un mois, j'ai évoqué l'autoportrait réalisé par des peintres hommes. Et en faisant ma recherche, je me suis rendu compte que, eh bien, lorsque je tombais sur un autoportrait peint par une femme, il y avait quand même des différences. Et donc j'ai voulu un peu creuser cela. Alors, je rappelle en quelques mots la situation par rapport aux autoportraits peints par des hommes. Bon, l'autoportrait en soi, c'est quoi? C'est un faire-valoir. Je me montre, j'existe. Et pour exister, comme Jeff Koons ici, depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire depuis le moment où les peintres deviennent des princes de l'esprit, eh bien, ils aiment bien se présenter dans le cadre d'une grande histoire. Pourquoi? Parce que Vasari a décrété que, comme étant le genre le plus valorisant, c'était bien le genre de la peinture d'histoire. Donc, ils vont s'intégrer dans des peintures d'histoire. Alors, soit ils sont là comme figurants, et c'était le cas d'un Botticelli que j'avais montré, soit ils prennent le rôle, ils deviennent acteurs. Et c'était par exemple Van der Weyden qui devient Saint-Luc. Ça, c'est une chose. Après, bien sûr, comme les autoportraits vont exister en eux-mêmes, c'est-à-dire rien que la figure de la personne ou le buste de la personne, il va y avoir alors toute une série de stratégies qui vont être mises en place. Et par exemple, le vêtement, la pose, le type de regard, la gestuelle, ou encore le décor. Alors, bien sûr, tout cela, ça vise à ce que ce peintre se présente et soit reconnu par les commanditaires. Alors, par exemple, être reconnu par les commanditaires, c'est aussi être reconnu comme un homme capable de partager avec eux les mêmes plaisirs. Par exemple, le plaisir de la chasse. Je vais montrer un exemple. Le plus souvent, ils aiment se présenter aussi comme personnages de culture, c'est-à-dire qu'ils se représentent avec un livre ouvert, ou ils se représentent, et bien évidemment, ils se représentent aussi en train de peindre l'autoportrait. Ce que je n'ai pas trouvé dans l'autoportrait peint par les femmes, ce sont les questions que se posent ces peintres hommes concernant le statut de l'autoportrait. Notamment, à quoi ça sert? N'est-il pas vain de faire son autoportrait? Et donc, d'introduire l'autoportrait à l'intérieur de scènes qui sont en fait des scènes de vanité. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aussi s'interroger sur le rôle joué par le miroir, qui est quand même le premier outil pour pouvoir réaliser un autoportrait. Ce miroir qui trompe, ce miroir que l'on déjoue, ce miroir qui valorise, etc. Ces deux questions-là ne sont pas là. Dans le cours du XXe siècle, l'autoportrait peint par des hommes, va davantage mettre l'accent sur la provocation, et ça, généralement par rapport à la morale. On va voir que c'est la même chose chez les autoportraits peints par des femmes, mais sur un autre mode, et aussi des autoportraits qui accompagnent des événements, par exemple la guerre. Il y a aussi quelque chose qui va se développer au XXe siècle, c'est l'autoportrait introspectif. Et ça, nous en avons vu quelques exemples aussi lors de la conférence précédente. Et souvent, cette introspection chez les hommes devient douloureuse. Je pense à Edouard Munch, par exemple, à Spilliard, à Eugène Leroy, à d'autres artistes qui vont s'interroger, mais avec cette espèce d'angoisse aussi par rapport à cette introspection. Alors, portrait réalisé par les femmes va poser des questions aussi, deux questions, concernant, entre autres, l'apprentissage et le genre de peinture. Les femmes peintres vont exceller dans les portraits, ce qui est un sous-genre qui est un peu défavorisé et dans lequel elles vont s'engouffrer. Mais qui dit portrait de l'autre risque aussi d'amener une certaine empathie par rapport à l'autre. Donc plutôt que le paraître, on mettra l'accent sur l'émotion, sur le sentiment. Voilà déjà peut-être une première différence. Et cette différence, elle est due entre autres au type d'apprentissage. En fait, il y a plusieurs apprentissages possibles pour une femme peintre au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. La première, surtout au XVIe siècle, et c'est le cas ici de Plotilla Nelli, qui est une peintre du XVIe siècle, début XVIe, premières années du XVIe siècle, c'est l'apprentissage à l'intérieur d'un couvent.
Il faut savoir qu'à cette époque, 45% des femmes peintres vivent dans un couvent. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'un couvent de dominicaines. Et donc, elle réalise là ses vœux de nonne, mais encouragée par Savonarole, elle va se mettre à la peinture et obtenir une certaine célébrité à travers son travail. À tel point que, regardez ici, on a une fresque qui fait 7 mètres d'envergure, c'est quand même pas rien, et qui présente pour la première fois une dernière scène. Alors la difficulté de cet apprentissage à l'intérieur du couvent, c'est qu'elles n'ont pas droit au modèle d'après nature, surtout pas au modèle d'après nature homme. Donc ici, on a ces 12 apôtres et le Christ qui sont présentés. Chaque visage doit représenter un type de sentiment, une certaine psychologie. Et en fait, elle va pouvoir apprendre et chercher à rendre cette psychologie à travers les peintures des hommes qu'elle a pu observer et à travers les modèles antiques. Ça, c'est pour un premier type d'apprentissage. Un siècle plus tard, on a ici Marietta Robusti qui se présente, vous voyez, avec cet instrument de musique, en princesse de l'esprit. Non seulement elle est peintre, elle n'a plus à l'affirmer parce qu'elle est déjà très célèbre à son époque, que ce soit à Venise ou dans d'autres villes européennes, et elle se présente donc avec cet instrument de musique. Alors, on pourrait dire tout va très bien pour elle, c'est vrai, elle terminera sa carrière à la cour d'Espagne, mais avant cela, Maximilien d'Autriche lui propose de venir à la cour en tant que peintre du roi, de l'empereur. Et là, veto du père, chez qui elle apprend. Et qui est ce père? C'est le Tintoret. Donc le grand Tintoret vénitien va interdire à sa fille de pouvoir faire une carrière internationale vers l'Autriche. Alors, il y a d'autres exemples, bien sûr, de ces apprentissages. Ici, Katharina van Meissen va apprendre également chez son père, qui est peintre, de la même manière. Et elle va subir, en fait, son statut de femme à partir du moment où, alors qu'elle est heureuse, elle l'indique sur cet autoportrait, Beatus Sea, oui, c'est ça, soit, eh bien, elle va se marier. Elle se marie à l'organiste d'Anvers, et dès qu'elle est mariée, on n'a plus aucun tableau signé de sa main. Alors qu'elle va terminer à la cour d'Espagne comme dame de compagnie. Vous voyez, donc, comme ce statut peut virer comme cela, en fonction de cette mainmise au fond de la peinture réalisée par les hommes, et par rapport auquel, à un moment donné, elles vont devoir s'opposer, on va le voir. Alors, il y a quand même d'autres différences par rapport aux autoportraits peints par les hommes, et c'est notamment la question de l'âge. Alors, souvenez-vous, lors de la première conférence, nous avons évoqué l'âge chez Edvard Munch, par exemple. Plus il vieillit, et plus on voit l'angoisse dans son regard. Pareil, j'en parlais tout de suite pour Spilliard. Pareil aussi pour Opalka, qui lui devient de plus en plus pâle, de plus en plus blanc, de plus en plus évanescent. Il est dessaisi de lui-même. Et si on prend les premiers autoportraits à différents âges de la vie, on pense évidemment à Rembrandt. Or, voyons comment Rembrandt termine les autoportraits. Ces autoportraits sont quasi minéralisés, c'est-à-dire que sa peau disparaît sous une espèce de croûte comme ça, où il perd en effet tout aspect vivant. Donc, une sorte d'angoisse par rapport à l'âge. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas dans la peinture réalisée par les femmes, et je prends ici quelques exemples, à la fois dans l'art ancien et dans l'art moderne. Sofonista Anguissola, par exemple, ici, vous la voyez jeune, fière d'elle-même, hein, elle a un regard assez assuré. C'est quelqu'un qui, en effet, a eu la chance de venir d'un milieu assez riche et protecteur. Son père l'a mis dans les mains des meilleurs artistes, il lui a même fait rencontrer Michel-Ange, elle a proposé un dessin à Michel-Ange qui était assez étonné et l'a mis au défi d'en faire un autre sur un autre thème qu'elle a fait et qui l'a tout à fait fasciné. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une grande carrière. Or, cette carrière ici, elle la présente à travers un âge qui est sa maturité, et au moment où elle est engagée par le roi d'Espagne. À la fin de sa vie,
Elle rejoint Palerme, où elle mourra à 92-94 ans, et là, elle fait un nouvel autoportrait. Et regardez dans cet autoportrait, il y a à la fois cette même assurance, une certaine sérénité. Avec la main gauche, elle tient le missel et le chapelet. La main droite, elle tient une lettre qu'elle envoie au roi d'Espagne. Et cette sofonista Anguissola sera tellement respectée que le peintre Van Dyck va aller lui rendre visite à Palerme et fera d'elle le dernier autoportrait alors qu'elle est devenue aveugle. Ici, un siècle plus tard encore, c'est une pastelliste vénitienne. Elle vient par contre d'un milieu très pauvre de Venise. Elle apprend l'art grâce à un peintre français qu'elle a rencontré, qui lui fait d'abord faire des petites miniatures. C'est bon pour les femmes, ça, les petites miniatures. On verra que ça va durer longtemps. Et en même temps, à un âge, une trentaine d'années, elle s'engage dans une carrière de pastelliste. Alors, ce qui est intéressant dans ce portrait ici, outre le fait de cette maîtrise, de cette technique, c'est le fait qu'elle a montré un tableau qui n'est pas elle, qui n'est pas un tableau de scène religieuse ou autre, mais qui est le portrait de sa sœur. Et ça, c'est un élément qu'on va retrouver aussi dans les autoportraits peints par les femmes, c'est la notion de sororité, cette espèce de complicité entre femmes qui va excluer l'homme pour se retrouver plus sereine. Alors regardez, cette même Rosalba Carriera, plus âgée. La voilà ici plus âgée, les cheveux ont blanchi, elle accentue même cet aspect, elle se présente en allégorie de l'hiver, mais c'est une allégorie de l'hiver qui n'a rien de triste ni d'angoissé. Et quand on regarde une peinture encore plus âgée, la voilà presque avec les lauriers du poète, qui affirme encore cette espèce d'autorité qu'elle a en tant que peintre. Donc l'âge ne semble pas faire obstacle, ne semble pas produire en tout cas une peur, une angoisse, comme on l'avait vu dans les portraits masculins. Dans l'exemple de l'art moderne, j'en prends deux. Deux parce qu'ils orientent déjà ce qui va se passer après avec les autoportraits et les carrières des femmes peintres. Le premier, c'est Kate Kollwitz, qui est née à la fin du 19e siècle, qui épouse un médecin des pauvres, et ayant épousé ce médecin des pauvres, elle prend fait et cause pour toute cette marge de la société, et puis pour tous ceux qui vont souffrir. Pendant la guerre 14-18, elle perd son fils qui tombe sur les champs de l'Isère. Et après, dans les années 20-30, évidemment, elle va prendre aussi fait et cause contre le nazisme. Eh bien, regardez l'autoportrait qu'elle présente d'elle âgée. Donc, je viens de vous la montrer jeune. Voilà comme elle est âgée. C'est un plein cadre, hein, ce dessin. Il n'y a pas d'espace autour. Elle est frontale. Elle nous observe de ses yeux noirs. On ne peut pas lui échapper, il y a dans cet autoportrait une certitude absolument incroyable, et cette même certitude, on la retrouve dans un autoportrait de profil, où on voit sa main en train de tenir le fusain, et sa main qui se referme comme un rocher. Hein. Il y a vraiment quelque chose là que l'on voit apparaître comme une volonté, comme une certitude hein, dans cet autoportrait. Et puis, je voudrais montrer... Voilà une de ses œuvres qui montre bien son désir d'être auprès des prisonniers, auprès des malades, auprès des marginaux. Une autre, qui est une Américaine, qui est Alice Neal, va, elle, très vite fréquenter la factory d'Andy Warhol. Et elle va s'intéresser, elle, à tous ceux qui sont marginaux, c'est-à-dire les comédiens, les chanteurs, les sérigraphes, les peintres, mais aussi les homosexuels, les transgenres, toutes ces personnalités qui tournent autour de ce monde d'Andy Warhol. Et regardez, elle va en faire alors des portraits, mais des portraits qui sont pleins d'empathie, des portraits qui veulent montrer la fragilité de ces gens, leur réalité, leur intensité de vie, leur intensité d'être humain. Et voilà par exemple comment elle rend le portrait d'Andy Warhol. Jamais vous avez vu un portrait d'Andy Warhol comme cela. C'est un Andy Warhol qui est plus âgé, qui est fragile, il baisse les paupières, il a une ceinture abdominale. On ne peut pas dire que ce soit un portrait valorisant, mais c'est un portrait plein d'une richesse humaine et qui va décoder en quelque sorte cela. Eh bien, cette Alice Neal va aussi réaliser des autoportraits.
Et en vieillissant, Alice Neal ne craint pas, voilà ici, de proposer un autoportrait d'elle nue. Elle nue à l'âge qu'elle a, c'est-à-dire en s'opposant à cette espèce de star system et de pin-up hein, des années 60, 70 et bien au-delà, où il faut absolument un corps jeune, bien fait, mince, etc. Elle se présente telle qu'elle, sans agressivité, sans dire qu'elle le regrette, sans dire qu'elle se révèle un peu comme un animal de foire, c'est pas ça du tout. C'est aussi un portrait qui est plein de cette sensibilité, plein de cette humanité. Alors, l'autoportrait peint par des femmes va aussi poser la question justement du statut et de la vengeance ou du combat que les femmes vont devoir mener par rapport au pouvoir exercé par les hommes. Car que font les hommes de la femme en peinture? Eh bien, comme Nicolas Poussin, ici dont nous avions étudié l'autoportrait lors de la dernière conférence, la femme devient une allégorie, ou alors elle devient un désir. Et par rapport à cela, voilà ici une artiste, Marie-Suzanne Rosier, qui est pasteliste. Et regardez ce autoportrait que l'on voit à côté d'elle, est un autoportrait que j'ai montré aussi lors de la première conférence. C'est un autoportrait de Quentin Latour, qui est cette espèce de libertaire, de provocateur, mais considéré comme le génie du pastel du XVIIIe siècle. Et il a toujours ce regard ironique, eh bien, elle va avoir aussi ce regard de défi, parce que ce qu'elle fait, c'est faire le portrait de Quentin Latour. Elle est en train de nous dire, je suis capable de le faire, je vais même le faire mieux que lui, et donc je m'oppose à cette peinture. Voilà un type d'autoportrait qui me semble particulièrement intéressant. Alors ici, Adélaïde Labiguillard, c'est d'abord cet autoportrait sur lequel je voulais m'arrêter, parce que bien sûr, elle porte son beau costume, hein, elle est chapeautée, costume de soie, elle est en train de peindre, on ne sait pas ce qu'elle peint, mais ce qui m'intéresse ici, c'est deux choses. La première, c'est que dans le fond de cette peinture, dans la partie sombre, il y a les modèles que doit suivre un peintre, c'est-à-dire les modèles donnés par les hommes, finalement, ces plâtres, ces copies d'antiques, etc. Mais aussi, parallèlement, derrière elle, vous avez de nouveau cette sororité, cette complicité entre deux femmes qui se tiennent par la taille et qui accompagnent le peintre. Eh bien, ce peintre avait un jour posé sa candidature pour entrer à l'Académie. C'était possible à la fin du XVIIIe siècle. Et dans cette lettre qu'elle envoie, on peut retenir cette phrase. « Je veux être jugé et non pas protégé. » Ce qui est une marque évidemment d'ambition, d'orgueil, mais aussi de distance par rapport justement à ces comités d'hommes qui viennent de manière un peu paternaliste juger si la femme peinte va être bonne ou pas, si elle peut être protégée ou non. Alors, bien sûr, la portraitiste des portraitistes, 660 portraits à son actif, c'est Élisabeth Vigée-Lebrun. Donc voilà ici un autoportrait. Mais ce n'est pas sur cet autoportrait que je voudrais m'arrêter, parce que Élisabeth Vigée-Lebrun va donc être la portraitrice de l'aristocratie, Louis XVI. Protégée par Marie-Antoinette, elle va subir évidemment, une fois Marie-Antoinette emprisonnée, tous les retours de bâton, si vous voulez, et devra s'exiler en Suisse, vers Dresde, vers Londres, etc., où elle va continuer son travail de portraitiste. Mais regardez comment elle va s'adresser à cette peinture dominée par les hommes. Voilà son autoportrait ici, avec ce beau chapeau de paille, plumé. Elle tient la palette et une main légèrement abandonnée. En fait, on pourrait dire, voilà, c'est un portrait qui se fait dans la suite, dans la logique de ces portraits aristocratiques du XVIIIe siècle. Eh bien, pas du tout. Parce que, regardez, en fait, un jour, elle se rend en Flandre. Elle se rend en Flandre et elle découvre là ce tableau de Rubens et le portrait de la sœur d'Hélène Fourmand. Et ce qui la fascine là, c'est un travail de peintre, c'est-à-dire le fait d'avoir soumis ce modèle à deux lumières. Une première lumière très forte sur le visage et la poitrine, et une autre lumière pour le ciel. Et regardez, on retourne, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un travail sur la lumière, avec un fort éclairage sur la poitrine et le bas du visage, et puis toute une partie mise à l'ombre. C'est-à-dire que elle inscrit son travail, non pas dans une rivalité, mais dans un héritage, je dirais, d'un grand peintre baroque
et pas du tout à côté. Elle ne fait pas une miniature ou une peinture mièvre, elle se situe par rapport au géant de la peinture. Il n'y a pas que ça. Regardez l'habit, par exemple, et le regard. Le regard de ce modèle de Rubens, qui regarde légèrement oblique, alors qu'elle nous fixe. Là, ici, on est en légère plongée. Là, on est en contre-plongée, ce qui donne un aspect plus monumental au personnage. Ici, regardez le geste des mains, ils viennent se replier sur un vêtement qui enserre le corps. Là, au contraire, on a un corps qui se déploie à travers ce vêtement avec une main qui s'abandonne. Eh bien, dans tous ces petits éléments iconographiques, il est évident que Vigée Lebrun est en train d'imposer une vision à la fois de la femme et aussi de la peintre-femme. Voici un autre tableau d'Élisabeth Vigée Lebrun. Alors ça, c'est un tableau où on la voit avec son enfant. Eh bien, ça pourrait paraître mièvre aujourd'hui, mais attendez, regardez le type de portrait que l'on fait d'une mère avec ses enfants. C'est Marie-Antoinette ici avec ses enfants. Au XVIIIe siècle, la mère ne s'occupe pas de ses enfants. Elle donne ses enfants à des nourrices. Elle n'a pas avec eux de relation, je dirais, sensuelle. Elle ne va pas toucher ses enfants. Il y a des pauses obligées. Ici, au contraire, Vigée Lebrun, elle prend cet enfant dans ses bras, elle le fait avec une sorte de naturel, elle sourit, c'est-à-dire qu'elle dégage légèrement les lèvres et on peut voir même ses dents, ce qui est absolument inconvenant pour l'époque. En fait, elle est en train de réaliser dans une peinture, au fond, l'idéal de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire que la maternité n'est pas quelque chose de culturel, la mère ne devient pas mère, elle l'est en elle-même naturellement et elle trouve les gestes naturels. C'est la thèse de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est ainsi qu'elle s'oppose à toute cette norme, je dirais, qui était celle de la fin du XVIIIe siècle. Alors, est-ce que les choses vont s'arranger au XIXe siècle ? Pas sûr, parce qu'après 1789, après le régime de la terreur, après le code Napoléon de 1804, on peut dire que la femme a perdu sa liberté. J'ai même retrouvé dans un texte qui émane de 1793, donc au moment du régime de la terreur, le fait que les femmes feraient quand même mieux que de peindre, de broder des bonnets pour la police. Ouais. Donc, très clairement, la femme perd ses droits. Alors, que lui reste-t-elle ? Eh bien, ici, Constance Maillère, elle va étudier chez le seul peintre qui accepte de former des femmes, c'est-à-dire Greuze. Alors bien sûr, Greuze, après, il est un peu considéré comme mièvre, lui aussi. Bon, elle a tellement de talent qu'après, elle arrive dans l'atelier de Prudhon. Alors, elle est, comme vous voyez, elle est assez jolie. Elle va séduire, ou en tout cas, Prudhon va être séduit par elle. Il va en faire sa maîtresse et plus tard, son épouse. Problème pour elle, c'est que cette association avec Prudhon, parce qu'elle va intervenir dans certains tableaux de Prudhon, elle va avoir son travail propre, et bien c'est comme Prudhon est quelqu'un de très célèbre, et donc il vend ses tableaux très cher, il est évident qu'on va attribuer à Prudhon des tableaux qui étaient réalisés par Constance Maillère. Et encore aujourd'hui, on est difficile à distinguer les œuvres de Prudhon et les œuvres de Constance Maillère, d'où évidemment cet aspect un peu mélancolique de cette Constance Maillère dans cet autoportrait. Alors ici, ce n'est pas tellement l'autoportrait que j'aimerais vous montrer, parce que c'est aussi une autre manière de réagir de la part des femmes peintres. C'est ici Marie-Guillemine Benoît, et c'est plutôt pour ce tableau-là, regardez, le portrait d'une Antillaise, une noire Antillaise, qu'elle peint un peu après 1800. Alors c'est scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux ? Parce qu'en 1796, la France a aboli l'esclavagisme. Donc c'est fini, on n'en parle plus. Mais en 1800, l'Empire remet l'esclavagisme à l'honneur. Et donc il y a de nouveau des esclaves. Et elle présente cette femme antillaise avec toute la noblesse qu'elle peut avoir dans la figure, je dirais, de ces hommes de pouvoir qui justement permettent l'esclavagisme. Alors, peut-être que mal lui en prit à cette Marie-Guillemine, mais toujours est-il qu'un jour son mari va devenir ministre de l'Empire. Et dès lors qu'il sera ministre de l'Empire, eh bien, elle devra abandonner la peinture. Cela va changer un peu grâce
à l'arrivée de l'Académie Julian. L'Académie Julian, académie privée, qui, elle, va accepter de former des femmes. Alors, elles vont arriver d'un peu partout. Elles arrivent des États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas apprendre la peinture avec des modèles vivants. Là, on peut. Elles vont arriver de Suisse, elles vont arriver des pays scandinaves, et des pays scandinaves, comme elles sont un peu plus délurées, elles vont un peu bousculer la morale des femmes peintres de cet atelier. Alors, certaines ne vont pas donner de grandes carrières, d'autres vont être plus célèbres, et parmi elles, il y a Marie Bashkirtseff. Marie Bashkirtseff, qui est une femme qui va mourir à 25 ans, qui a le sentiment qu'elle va mourir très jeune, qui écrit un texte autobiographique, elle suit son journal, elle a une grande correspondance avec Guy de Maupassant, elle est aussi, elle a lu tout Zola, elle est très, très attentive aussi à la peinture de Bastien Lepage, qui est un naturaliste français de la même période. Et ici, dans cet autoportrait, vous voyez qu'à la fois, elle se présente musicienne, hein, avec la harpe derrière, peintre, mais là, cette fois, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus qu'une palette qui est écrasée, mais cet écrasement se fait aussi à travers le costume, qu'elle traite par tâche plutôt que par un dessin précis. Et voilà ce qui va faire scandale aussi en France. C'est cette peinture des petits gars de Paris qui sont en train de préparer la révolution, en quelque sorte. Hein. Ce tableau s'appelle le Meeting, hein, et c'est un tableau où les enfants se réunissent, partagent des avis, partagent des textes, des slogans, etc., et préparent en fait ce qui va bientôt arriver. Eh bien, cela, c'est quelque chose qui est à ce point interdit. Elle va poursuivre dans cette carrière, avec des sujets toujours semblables, au point que, figurez-vous, qu'en 1930, après 1933, le régime hitlérien va brûler toute la production de cette Marie Bashkirtseff. Alors, une autre femme célèbre, celle-là très célèbre, qui va s'imposer dans le milieu des hommes, c'est Rosa Bonheur. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'impose? Eh bien, diront les hommes, parce qu'elle peint comme un homme. De manière franche, de manière solide, etc. Il n'y a pas que ça. Elle a trouvé une niche, finalement, où elle n'est pas en concurrence avec les hommes. Et c'est la peinture animalière. Et donc, elle va se promener dans les campagnes et elle va peindre les moutons, les taureaux, les animaux des champs, qu'elle va bien vendre, curieusement, parce que c'est aussi une femme d'argent. C'est aussi une femme qui sait comment vendre sa peinture. Et avec son marchand, elle va aller de ville en ville pour vendre ses tableaux, elle va produire des estampes qui vont lui servir de publicité, et il faut dire que le personnage est aussi très particulier. C'est quelqu'un qui fume le cigare, et puis qui porte le pantalon. Alors, vous savez qu'à l'époque, je vous montre cette image-ci, il fallait une permission, et une permission qui durait 6 mois, pour, comme l'indique le papier que vous avez là sous les yeux, une permission de travestissement. Donc, Rosa Bonheur se travestit, en homme, pour pouvoir peindre. Pouvoir peindre quoi? Eh bien, des tableaux comme ceux-ci, et qui lui donnent une notoriété qui ira jusqu'aux États-Unis. Et c'est du reste aux États-Unis qu'elle va retrouver une autre femme. Elle avait déjà vécu avec une femme lorsqu'elle vivait en France. Lorsqu'elle va aux États-Unis, elle va en rencontrer une autre, avec laquelle elle finira sa vie. Donc il y a aussi ici, en plus de la sororité, il y a dans l'attitude de cette peintre qui veut s'affirmer une volonté claire de s'affirmer homosexuelle. Et puis, troisième exemple de cette fin de 19e, et de nouveau avec des moyens différents, c'est Berthe Morisot. Berthe Morisot, elle a la chance, enfin si je puis dire, d'avoir épousé le frère de Eugène Manet, donc elle est inscrite en quelque sorte dans ces milieux Manet, Renoir, Degas, etc. Et donc avec eux, elle est au goût du jour. Et elle, justement, ce qu'elle va proposer, c'est une peinture au goût du jour. C'est-à-dire, ce n'est pas l'apanage des hommes uniquement de faire une peinture actuelle, si vous voulez. Les femmes vont le faire aussi, elles ne sont pas à la traîne, en quelque sorte. Et regardez cet autoportrait, il est jeté, c'est presque une esquisse. Elle montre ses cheveux grisonnants. C'est la femme qui peint à la manière moderne, c'est-à-dire à la manière des impressionnistes et des post-impressionnistes. Et ce n'est pas quelqu'un qui va se contenter de respecter les sujets obligés, même si par ailleurs, c'est une femme,
même si c'est une femme qui va ici donner le portrait, par exemple, de elle-même avec son enfant, on se rend compte que ce n'est pas tellement la psychologie et le rapport qu'il y a entre elle et son enfant qui importe ici, mais c'est son plaisir de peindre des blancs, de peindre des voilages, de faire un tableau. Alors même si parfois, comme ici, eh bien, elle propose une petite question, un petit questionnement. Et au fond, si les hommes, je suis en train de relire la cousine bête de Balzac, hein, on sait dans ce texte combien, quel est le rôle et le statut des femmes qui peuvent être soit maîtresses, soit épouses et pleurer. Eh bien, ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit l'homme peut aussi être père, il peut aussi s'occuper de sa petite fille. Et je vais le dire dans une peinture qui est résolument contemporaine. Donc vous voyez, ces sentiments par rapport aux hommes, par rapport à la morale, vont s'exprimer de différentes façons. Alors bien sûr, fin 19e, en Angleterre et puis un peu partout en Europe, et puis début 20e siècle, ce qui va apparaître de cela, ce sont les luttes féministes qui sont nettement plus orientées vers le politique. Et là, on a différents artistes, comme Caroline Watts, par exemple, c'est une illustratrice, eh bien, elle va réaliser tout le reste de son œuvre sur ce thème d'appel à la révolte des femmes, que ce soit pour obtenir justice, que ce soit pour avoir le droit de vote, et ainsi de suite. Et de la même façon, voici ici une manifestation des féministes, avec en fond, derrière ces personnages, il y a une série d'affiches, et ces affiches, eh bien, elles sont réalisées par Mary Lowndes. Et Mary Lowndes, en fait, que voici, est une dame très sérieuse, et c'est une des grandes dames du mouvement Art and Craft, qui est spécialisée dans le vitrail. Et autour d'elle, elle a des élèves, des apprentis, et elle leur apprend par le vitrail à se dégager du carcan des hommes. Et par exemple, en proposant d'utiliser des couleurs très vives, vous voyez, qui s'opposent à ce moment-là au côté ton sur ton, de bon ton, je dirais, que l'on attend dans la peinture des hommes. Donc peinture plus violente. Et voilà ici une des bannières qu'elle a réalisées. Par contre, une troisième de ces féministes de la première heure, c'est Sylvia Pankhurst, ici emmenée par la police. Sylvia Pankhurst qui réalise cet autoportrait. Vous voyez la différence dans l'autoportrait aussi. Cette femme ne nous regarde pas, elle ne regarde pas le lointain, elle ne nous parle pas de ses sentiments, elle ouvre légèrement la bouche, mais ce n'est pas pour sourire, c'est pour nous dire quelque chose. Et ses yeux levés, c'est un peu ses yeux vers un appel, vers un idéal, vers une utopie, et c'est de cela qu'elle est en train de nous parler. Et en fait, Sylvia Pankhurst va, pendant quelques années de sa vie, parcourir l'Angleterre et l'Écosse en peignant des ouvrières à leur travail. Et puis, curieusement, elle va arrêter de peindre pour se consacrer uniquement à la lutte politique. Dans cette Angleterre début du XXe siècle, il y a aussi ce personnage de Gwen Joan qui, elle, ne s'occupe pas tant d'afficher un féminisme politique, mais cherche à nous montrer, et notamment par cet autoportrait, en quoi la femme peut être autre chose que ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire aussi quelqu'un qui a une intériorité, quelqu'un qui a un sérieux, qui a une intelligence, qui a une fermeté, mais aussi qui est, vous voyez, elle ne livre pas son corps, elle est serrée au cou, elle a ce costume rouge qui l'enserre, le fond est neutre, elle nous fixe, elle ne sourit pas, elle est une personnalité. Et cette personnalité, néanmoins, préfère aussi la compagnie des femmes, comme dans cet autre tableau, hein, cette complicité. Et de la même façon, quand elle présente un nu, on est aux antipodes, évidemment, des nus de Modigliani, qui datent plus ou moins de la même période. Alors, que se passe-t-il en France? Alors, ce petit écart ici, je vous montre généralement de la peinture, rarement de la photographie, et certainement pas du cinéma, mais je pouvais difficilement éviter de parler de Alice Guy, qui en fait, en 1896 déjà, qui travaille pour une des premières sociétés de cinéma, dit voilà, c'est bien de photographier un train qui arrive dans la gare de la Ciotat, mais il faudrait quand même raconter une histoire. Et donc elle va être la première en fait à imaginer des scénarios. Et parmi les scénarios, eh bien, il y a celui-ci, les conséquences du féminisme. Alors vous voyez bien, les conséquences du féminisme, vous avez la femme qui est à gauche,
installée dans le fauteuil qui joue le rôle de l'homme, hein, elle fume, et puis vous avez les hommes, l'un repasse, l'autre est en train de coudre. Donc de manière assez ironique. Et de façon toujours ironique, elle va aussi réaliser un autre film qui est Madame a des envies, c'est-à-dire où elle met l'accent sur le désir des femmes. Oui, les femmes, elles ont aussi des désirs. Elles ne sont pas que des mères ou des maîtresses, elles ont aussi des désirs pour elles-mêmes. Et c'est ça qu'elle a cette façon de faire. Ça veut dire que, au début du XXe siècle en France, la lutte féministe va passer par une sorte de volonté de libération du sexe. Et une des peintres qui exprime assez bien ça, c'est Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, c'est une petite qui est acrobate, qui est en modèle aussi, notamment de Toulouse-Lautrec, de Renoir aussi, qui circule dans ce Montmartre assez bohème. Et elle peint aussi. Et elle peint notamment un autoportrait qui est celui-ci. Vous voyez, il n'y a aucune complaisance. Elle n'est pas en train de séduire un homme, là. Elle est en train de montrer sa fierté, même une certaine moue, mais elle le fait aussi avec des moyens qui sont à la fois des moyens qui suivent, je dirais, qui héritent de Gauguin, mais aussi des moyens qui annoncent quelqu'un qui s'appelle Matisse, parce que ceci est peint en 1896, et Matisse, c'est 1905, le fauvisme. Donc, vous voyez, il y a là quelque chose à la fois de picturalement intéressant, mais aussi au niveau de la mentalité d'intéressant. Alors, elle va épouser un homme qui va lui donner un enfant qui sera Utrillo, et ceci dit en passant, Utrillo va complètement éclipser la célébrité de sa mère, de nouveau, mais lorsque son fils a 17 ans, elle va séduire l'ami de son fils et vivre avec l'ami de son fils, et c'est de cet amour que naît ce tableau qui est aussi scandaleux. Pourquoi ? Parce que là, elle a provoqué, elle est la première femme à peindre des hommes nus. Alors, provocation, bien sûr, provocation, comment éviter le dadaïsme ? Alors, le dadaïsme, j'aimerais parler de Elsa Peulz. Elsa Peulz, dite aussi la baronne von Freytag, parce que ce sera son troisième mari, est quelqu'un qui est abusé par son père, assez jeune, et qui dès lors quitte sa Poméranie natale et vient à Berlin pour étudier le théâtre et les arts. Et puis, elle est très fantasque, elle décide de quitter cette vieille Europe et elle rejoint New York. Elle rejoint New York, elle épouse un premier homme, un deuxième, un troisième, et le troisième meurt. Du coup, elle se retrouve sans argent, et là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va faire du théâtre de rue. Elle va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des performances, en faisant des choses les plus absurdes les unes que les autres, comme par exemple porter un seau de charbon sur sa tête en chantant dans les rues de New York. Mais en faisant toutes ces extravagances, elle va être remarquée par les Arensberg, qui sont des grands collectionneurs, qui ont un cercle d'amis dans lequel on retrouve Marcel Duchamp, par exemple, et Man Ray. Alors voilà, ici, un portrait de Elsa Peulz par Man Ray, qui s'appelle le porte-manteau. C'est bien Elsa Peulz qui montre ce corps qu'elle ose exhiber ainsi au tout venant. Mais Elsa Peulz, c'est aussi, curieusement, une femme qui met en question ce fameux ready-made de Duchamp. Alors en fait, dans une lettre de 84-85, on le sait aujourd'hui, Duchamp reconnaît que l'urinoir, ça vient d'Elsa Peulz. Ce n'est pas lui le créateur de ça, c'est elle. Et c'est elle qui a aussi inventé la signature. On s'est souvent posé la question, c'est pourquoi R mute comme signature. Eh bien, R mute, si le A se prononce E en anglais, ça fait R mute en allemand. Et R mute en allemand, ça veut dire un intellectuel d'une grande pauvreté. Et donc, c'est la signature d'un intellectuel pauvre intellectuellement, mais c'est aussi une adresse au public qui viendrait critiquer son œuvre en disant « vous êtes quand même que des pauvres, qu'une pauvreté intellectuelle ». Donc voilà pour cette première Elsa Peulz. Ici, on a une amie d'un des grands fondateurs du cabaret Voltaire à Zurich, c'est Amy Hennings. Eh bien, l'autoportrait d'Amy Hennings que vous avez là, ce n'est pas tellement la figure de cette femme qui est à droite, on voit bien qu'elle s'absente. Qui va exprimer l'autoportrait ? C'est la poupée, c'est la marionnette qui est à ses côtés. Et en fait, Amy Hennings va produire comme ça des spectacles où elle est l'autre qui n'est pas elle, l'autre qui pourrait être elle. Regardez la similitude des vêtements, par exemple, hein, entre la poupée et l'actrice, où elle va en fait présenter cette espèce de questionnement sur l'autoportrait à travers ses poupées. On a une autre
dadaïste, c'est Anna Hoeg, assez connue pour ses collages, ses photomontages. Et j'ai regardé ce qu'elle présente comme photomontage. C'est elle, selon différentes positions, à différents âges, avec des cheveux plus ou moins longs et des cheveux coupés à la garçonne, dans différentes situations, la femme n'est pas une seule image, elle est plusieurs images. Et on retrouve cela également dans cet autre photomontage, où certains des éléments du photomontage appartiennent plutôt au monde masculin, c'est le monocle, c'est la coiffure autour des oreilles, et en même temps, ce sont les jambes de ballerines. Alors, il y a à côté de cela aussi la question du genre. On sait que dans ce début du XXe siècle, beaucoup de femmes vont couper les cheveux très courts, vont porter des costumes d'hommes, vont se présenter en tant qu'hommes et vont vivre, bien sûr, leur homosexualité. Et c'est le cas, entre autres, d'Anna Gluckstein, qui, ici, en effet, vous voyez, a toute l'apparence d'un homme, comme si il fallait supprimer le genre féminin, ou en tout cas comme s'il fallait induire dans le genre féminin une part masculine, et comme s'il ne pouvait plus y avoir de distinction entre les deux. Voici cet autoportrait surprenant d'elle et sa compagne qui aurait été réalisé après avoir été toutes deux tout à fait fascinées par un concert de Mozart. C'est donc la question du genre qui est posée. Avec Tamara de Lempicka, c'est plutôt la question de la transgression comme mode d'affirmation, puisque Tamara de Lempicka, qui est russe d'origine, ukrainienne d'origine, va s'installer à Paris et là va affirmer haut et clair dans la grande société aristocratique des années 20 sa bisexualité. Alors pour elle, l'autoportrait, c'est une victoire. C'est une victoire de la femme qui conduit une voiture sport, même si réellement elle n'a jamais possédé une Bugatti verte, mais une petite Renault rouge. Mais comme elle le disait, la peinture, de toute façon, c'est une fiction, donc je me présente casqué comme cela, ou je me présente en ébat avec mes compagnes. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que se passe-t-il dans l'art contemporain par rapport à l'autoportrait ? Et là, je suis bien obligé de passer par, en tout cas ici, par la photographie pour en parler, c'est Cindy Sherman. Ce qui va se passer, c'est que, à l'heure de l'art contemporain, la question va tourner autour du corps, et le corps qui peut soit jouer un rôle, soit s'interroger, soit souffrir, etc. Il y a quatre thématiques, si vous voulez, autour du corps. Et la première, c'est en effet les rôles que Cindy Sherman va représenter. Donc c'est chaque fois elle qui s'habille, qui se déguise en quelqu'un d'autre, qui représente un rôle pris par les New-Yorkaises dans les années 70-80. Voilà encore ici un autre rôle. Là, elle joue encore un autre rôle. C'est assez différent chez Margaret Harrison, qui est à l'honneur actuellement au BPS 22 à Charleroi. Margaret Harrison, artiste anglaise, féministe convaincue, et qui ici se représente en Captain America. Ouais. Donc elle prend les grands héros qui font bouger les lignes, si je puis dire, mais qui sont toujours masculins et super héros, et elle se présente avec ce déguisement. Il faut dire que la provocation fait partie de son travail, et ici vous avez le portrait de Bob Hope. Alors Bob Hope, c'est une exposition qui était inaugurée, c'est sa première exposition à Londres, et elle a été fermée après une heure. Donc c'est vous dire si elle avait choqué. Eh bien, c'est le portrait d'un homme qui est en fait le directeur de Playboy, et qui donc avait dans sa revue mis à l'honneur un certain type de femmes qu'il appelait les Bunny Girls, donc qui étaient des femmes qui portaient chaque fois les grandes oreilles des lapins. Alors elle a fait son portrait avec ses oreilles de lapin, et puis un petit lapin qui sort par son sexe. Ça, c'est un peu les rôles, si vous voulez. Et c'est assez majoritaire, je dis, dans les autoportraits actuels, l'art contemporain, c'est de travailler plutôt sur le sociologique. D'autres vont travailler sur le corps physique, et aussi sur le rapport de la société avec le corps de la femme. Et je pense l'exemple de Yoko Ono, qui était la compagne de John Lennon. Hein. Eh bien, Yoko Ono va proposer une performance ici, où elle s'installe sur une scène, devant un public venu voir cette performance, et à qui elle demande de prendre une des paires de ciseaux qui se trouve à côté d'elle et de découper un morceau du costume, du vêtement qu'elle porte. Et ainsi, petit à petit, eh bien, chaque personne vient, chaque personne coupe, personne ne refuse, semble-t-il, une espèce d'ordre comme cela, et
elle se retrouve nue. Elle se retrouve nue devant, évidemment, toute cette complexité du rapport à la nudité, puisque là, c'était morceau par morceau, ce sont les spectateurs qui l'ont ainsi dénudée, et d'elle ne vient aucune expression. Elle dit « J'aurais aimé connaître mes impressions, je suis resté de roc absolument impénétrable, il ne me touchait pas. » Alors par contre, elle, on va la toucher, c'est Orlan, on en avait déjà parlé l'année dernière, je crois. Ici, en 1977, à la FIAC, elle revêt cette espèce de costume d'armure devant elle, intitulée « Le baiser de l'artiste ». Elle demande en fait d'introduire une pièce de 5 francs au niveau du cou. Cette pièce glisse le long de cet œsophage et puis va rejoindre finalement la partie triangulaire qui se trouve au niveau de son sexe, où on voit les pièces de monnaie qui vont s'entrechoquer. Et une fois qu'on a mis 5 francs, eh bien, on peut embrasser l'artiste. Évidemment choquant par rapport à, et audacieux par rapport à ce rapport entre l'homme, la femme, le désir projeté, etc. Plus après, Orlan va toujours s'occuper de l'image de la femme, l'image qu'on donne de la femme, mais cette fois sur son propre visage à travers une série de manipulations, de chirurgie, où elle va en fait baliser un petit peu toutes les normes de beauté féminine jusqu'à les mélanger de culture en culture, comme par exemple dans cette reproduction ici. Autre artiste anglaise, beaucoup plus jeune, c'est Jenny Saville, qui, voyez, est aussi intéressée par le corps de la femme. Ici, vous voyez le dessin qui est à côté d'elle, s'est inspiré directement par l'œuvre du Titien, qui est la première œuvre érotique de l'histoire de la peinture, en tout cas voulue-t-elle. Mais plutôt que de mettre la petite servante derrière, elle met un corps d'homme associé à ce corps. Ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer un autoportrait. Alors, regardez l'autoportrait de Jenny Saville. Là, ici, on a un corps qui est abîmé, qui est blessé. C'est pas du tout le plaisir de la peinture de Bacon, par exemple. C'est vraiment un corps meurtri. Mais ce corps meurtri, elle va le montrer ailleurs, même sans sa tête. Et elle va oser, un petit peu comme Alice Neal tout à l'heure, elle va oser montrer ce corps gros, trop gros, et tant pis, et ce corps sur lequel il peut y avoir aussi une série d'agressions. Voilà d'autres autoportraits, plus actuels évidemment, de ces femmes qui traitent justement de ce corps physique. Et puis il y a bien sûr le corps mémoire. Je ne trouve pas ça dans les portraits, des autoportraits d'hommes, c'est cette interrogation sur ces douleurs que l'on a reçues. Alors les douleurs, elles peuvent être des douleurs physiques d'abord, c'est l'accident de Frida Kahlo lors d'un trajet dans un autobus, qui fait qu'elle reçoit une barre de métal dans le corps qui va la faire souffrir toute sa vie, qui l'empêchera d'avoir des enfants. Et donc, elle, carapassonnée, multiplie les autoportraits en évoquant cette douleur. Mais une douleur qui peut être aussi celle de la séparation, notamment avec Diego Rivera, son ogre de mari, où d'un côté, elle a cette mariée habillée de blanc, tenant une paire de ciseaux qui a coupé une veine et le sang coule. Et de l'autre côté, vous avez ce sang qui peut venir alors alimenter cette autre Frida Kahlo, qui est l'indienne, qui est la fière, qui est la solitaire. Autre corps mémoire, celui de Louise Bourgeois. 30 ans de psychanalyse pour oser faire ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a osé exorciser les rapports, la souffrance qu'elle avait eue étant enfant, de voir se confronter un père qui est très volage et la mère qui est restauratrice de tapis. Et cette vengeance sur l'homme, elle la porte ici assez allègrement, mais elle se retrouve dans cet autoportrait où on a bien ces deux visages et puis l'enfant qui est au milieu. Alors ça, c'est un très rare autoportrait. En fait, les autres autoportraits, toute l'œuvre de Louise Bourgeois est un autoportrait, est symbolisée par ce qu'elle appelle les cellules, ici, vous voyez, qui est chapeautée par cette araignée qui tisse sa toile et qui souffre. On pourrait évoquer aussi d'autres formes de douleur, comme par exemple ici chez Quinard, on a une douleur parce qu'il y a eu, avant ses 5 ans, deux frères morts et un cousin mort.
Donc ces deuils qu'elle a retenus pendant plus de 20 ans, et puis qui à un moment donné ressurgissent, et elle propose alors un autoportrait en fœtus. Là aussi, quelques années de psychanalyse, et puis cette fois, la victoire, et un autoportrait tout à fait solaire. Il peut aussi y avoir le corps qui se souvient du viol, et c'est le cas de Nikita Saint-Phal. C'est seulement en étant très âgé, presque à la soixantaine, que Nikita Saint-Phal a osé parler de ce viol, de ce père qu'il avait violé. Or, dans sa peinture et son portrait, elle se venge de cela, et elle se venge en tirant. Et la voilà ici avec ce fusil, et la voilà ce que produit ce fusil. Ce sont des peintures qui pourraient être gestuelles, mais qui en fait sont des peintures qu'elle a préparées, ces espèces de grands personnages comme ça, qui vont disparaître complètement parce qu'ils sont formés de petites... renflement rempli de pigments, de couleurs, et avec le fusil, elle tire sur ces petites boules et elle fait couler cette peinture, donc elle tue ce personnage au fur et à mesure. On connaît évidemment Nikita Saint-Phal, c'est Nana, mais on connaît aussi Hon, qui est une de ses œuvres monumentales les plus célèbres, qui avait été présentée à Stockholm dans les années 60, et où en fait, elle invitait le spectateur à entrer par le sexe. Sexe encore, sexe toujours, avec Tracy Emin, une artiste anglaise actuelle. Elle est également violée, et pas qu'une fois, qui a un désir à la fois de tendresse, d'amour, et de violence et d'aigreur. Et voilà, par exemple, une des premières œuvres qui avait fait scandale un peu, qu'elle a présentée à Londres, c'était ce qu'elle appelait la tente. La tente, donc une tente. Dans lequel elle a indiqué les noms de toutes les personnes qui l'ont entourée physiquement, c'est-à-dire parfois sa grand-mère qui venait lui faire des caresses, mais parfois aussi les petits amis, parfois aussi les violeurs. Et tout ce monde est résumé, c'est un véritable autoportrait de sa vie. Et l'œuvre qui va la faire connaître aussi par un scandale, c'est évidemment celle-ci, le lit, par lequel elle obtiendra un prix à Londres, Turner Prize, où au fond elle a replacé elle et sa vie, la valise dans le fond, toujours en voyage, toujours en valise, valise symbole aussi d'utérus, avec ce lit qui est un lit défait, au bas duquel il y a un tissu, une carpette, si vous voulez, un tapis avec les bouteilles d'alcool, les petites pluches, les chaussures, des livres, etc., mais aussi des préservatifs, mais aussi des sous-vêtements souillés, etc. Et cela, évidemment, est un autoportrait par excellence. Le viol, bien sûr, le viol. Et il n'y a pas que une fois qu'il y a eu des viols. Ces viols, on les retrouve même dans la peinture ancienne, chez Artemisia Gentileschi, qui est violée par l'homme qui devait lui apprendre la peinture. Or, Gentileschi, ici dans cet autoportrait, où au fond on ne sait pas ce qu'elle est en train de peindre, se venge par ailleurs peut-être dans d'autres peintures, pas dans celle-ci. Parce que ici, c'est Suzanne et les vieillards. C'est quelques mois avant le viol, comme s'il y avait un pressentiment. Par contre, ceci, c'est après. Après qu'elle ait passé aussi un procès qui dure 2 ans, un procès qui est horrible pour elle, parce qu'il y a examen gynécologique, il y a même des supplices où on lui met des cordes autour des doigts et on serre pour voir si elle ment ou si elle ne ment pas. Et puis, on lui demande des déclarations. Et là, elle est très brute. Écoutez. Il ferma la chambre à clé, et après l'avoir fermée, il me jeta sur le bord du lit en me frappant sur la poitrine avec une main, me mit un genou entre les cuisses pour que je ne puisse pas les serrer, et me releva les vêtements qu'il eut beaucoup de mal à m'enlever, me mit une main à la gorge et un mouchoir dans la bouche pour que je ne crie pas, et il me lâcha les mains qu'il me tenait avant avec l'autre main. Ayant d'abord mis les deux genoux entre mes jambes, puis appuyant son membre sur mon sexe, il commença à pousser et le mit dedans. Je lui griffai le visage, lui tirai les cheveux, et avant qu'il le mette encore dedans, je lui écrasai le membre en lui arrachant un morceau de chair. C'est un texte terrifiant, évidemment, qui a pu être retrouvé. Et alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est la façon dont cette femme peintre peint et se venge sur cet homme, à travers l'histoire de Judith et décapitant Holopherne. Et regardez, ça, c'est le même sujet traité par le Caravage. Et voyez l'attitude de cette jeune femme. Elle est un peu... pas hésitante, mais elle est un peu dégoûtée de ce qu'elle fait. Il n'y a que la vieille dame derrière qui la pousse à le faire. Alors qu'elle, franchement, elle y va et elle sait ce qu'elle est en train de faire.
Alors, je voulais terminer avec des exemples d'aujourd'hui et choisir deux exemples d'aujourd'hui qui ne représentent certainement pas l'ensemble des autoportraits faits au féminin aujourd'hui, mais quand même deux tendances. Le premier, c'est une américaine, une noire américaine, qui s'appelle Genesis Tramen, et qui a exposé récemment chez Almin Rec. Alors elle, elle vient des milieux populaires de New York, elle est donc entourée par le graffiti, mais elle fréquente aussi une mission évangélique. Et tous les dimanches, elle va à la messe. Et elle considère que sa peinture, c'est comme une prière. Elle dit « Quand je peins, je ne sais pas où je vais, je prie. C'est Dieu que je cherche. » Et elle se représente alors à travers une série de regards, de visages qui se superposent. C'est une sorte de bagarre, hein. D'abord au trait, puis à la couleur, et puis elle entre dans une espèce de transe, je dirais, un peu comme dans ses chants. Elle chante parfois aussi en peignant. Et puis alors, quand tout ça se calme, elle ajoute en aplat des couleurs autour de ses visages. Cette idée de faire appel, non pas tellement une spiritualité, mais vraiment un appel à Dieu, c'est quelque chose qui est tout à fait novateur, c'est quelque chose qui est étonnant aujourd'hui, alors que le point de départ chez elle, c'est aussi une vengeance par rapport à tout ce qu'elle voit autour d'elle, toutes les violences qu'il y a dans la rue, toutes les injustices, que ce soit pour les transgenres, mais que ce soit aussi tout simplement les injustices de pauvreté. Et donc elle part de cela, et petit à petit elle s'élève, et quand elle est dans cette espèce d'état particulier, eh bien elle conclut ce tableau. Et l'autre que je voulais vous montrer, c'est Cathy Eck, c'est une Allemande qui a bien compris ce que c'était que la peinture, la nouvelle objectivité, qui a bien aimé aussi James Ensor, etc., et qui s'est installée finalement dans la campagne flamande où elle peint. Eh bien, Cathy Eck, c'est quelqu'un qui, très jeune déjà, était, je dirais, avait un imaginaire débordant. Par exemple, elle invitait Brad Pitt à sa table, mais le Brad Pitt, c'était un Brad Pitt en carton qu'elle avait découpé, vous voyez. Alors elle mangeait avec Brad Pitt, puis à partir de là, elle se racontait des histoires. Puis parmi les premières œuvres, il y avait des petits films comme ça qu'elle réalisait, où elle demandait à ses copines de se déguiser en carottes, hein, avec les fesses à l'air. Bon, tout cela fait partie évidemment d'une sorte de délire, mais aujourd'hui, ce qu'elle cherche, c'est dans cette ferme qu'elle habite en Flandre, c'est de vivre avec, comme elle dit, tous ses amis. C'est-à-dire de casser les distinctions qu'il y a entre les animaux, les fleurs, les êtres humains. Et à l'intérieur des êtres humains, tous les êtres humains. Donc elle reçoit chez elle tous les personnages, quels qu'ils soient, mais elle mêle sa vie aussi avec beaucoup d'humour, toujours en jouant, en libérant cet imaginaire, mais en ne prenant jamais un pouvoir sur telle ou telle chose. Et c'est cette Cathy Eck qui va en fait clôturer cette conférence. Je pourrais simplement vous rappeler que parmi les artistes dont je vous ai parlé aujourd'hui, on en retrouve pas mal dans de grandes expositions qui se tiennent actuellement. Alice Neal est au Metropolitan Museum de New York, Tracy Emin à la Royal Academy de Londres, Louise Bourgeois au Musée Juif de New York, qu'est-ce qu'il y a encore, Harrison BPS, je l'avais dit, Kate Colwitz est au Musée de Strasbourg. Et puis alors, il y a Orlan qui a toute une rétrospective dans la galerie Cesson à Paris. Jenny Saville qui est dans une des plus grandes galeries du monde, Gagosian, à New York. Voilà, quelques exemples. Hein. Cathy Eck était chez Tim Van Laar à Anvers. Voilà, je crois avoir fait le tour un petit peu de cette première question qui, j'espère, va susciter peut-être des interrogations par rapport à cette distinction, par rapport à la fonction aussi de l'autoportrait peint par les femmes, peint par les hommes. Je vous remercie.